Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. De 2006 à 2007, j'ai été instrumentalisé par les êtres gris afin de servir de médiateur, d'ambassadeur pour eux dans le cadre de leur plan apocalyptique dont j'ignorais le caractère néfaste. Ayant compris cela, je m'en suis libéré, j'ai atteint l'état d'éveil et j'ai expliqué que je pense que mon âme a été celle de personnes qui ont atteint l'état de pré-éveil avancé en Asie, dont Gautama Buddha, et que mon âme a été ensuite celle de personnes influentes dans le christianisme et dans la monarchie chrétienne, dans un but d'aider à se libérer du plan apocalyptique. Cela se passe maintenant. Les êtres gris m'agressent dans mon sommeil et instrumentalisent mon nom. Cela est néfaste pour nous collectivement. Je vous montre un exemple. Deux signes pour vous. Je suis né la Saint-Remi, Remi, baptiseur du roi Clovis, premier roi de France. Ma sœur se nomme Isabelle, Isabelle, même étymologie que Élisabeth, la reine d'Angleterre. Événement très important, je reviens dessus, l'orbe envoyé par les êtres gris au-dessus des fumigènes aux couleurs de l'Union Jack, largué par les 9 avions qui ont terminé la parade aérienne devant la reine d'Angleterre lors de son jubilé, donc le 2 juin dernier. Ici, je peux trouver avec mon nom Jean-Charles Bourquin-Pierre, Queen, 2 juin 2022, Nine Planes, Union Jack, Orb. Donc les êtres gris ont pu instrumentaliser mon nom de manière matricielle. On peut voir des choses plus simplement ici. Jean-Charles Bourquin-Pierre, Orb, Jean Apocalypse, Queen, ici, Charles le fils de la reine. Donc on a un mélange de tout ça. Une conséquence, Queen, Pierre, enseveli, périr, donc hein, Charles III, ici, Charles III, U, vaut 3. Avec mon nom, je trouve aussi, Reine Élisabeth II, fin Écosse, 8 septembre 22. Je trouve aussi, en complétant avec ma date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance de Châtel en Suisse, Reine Élisabeth II, 96 ans, fin Écosse, Château, 8 septembre 2022. Et je peux enfin trouver ici Reine Élisabeth fin, 8 septembre 2022, et Charles Accès Couronne, 10 septembre 2022. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.